On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud, Ethno est l'exception qui confirme la règle. Car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol. Et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours, madame. Non mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ben tu n'iras pas tout seul. Oh, comme si gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud. Nous allons y aller tous les quatre. Quoi? Non mais ça va pas, la tête, hein. Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h. Ça pèse des tonnes. Institutrice, nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour fermer deux fois. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mipsorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses halos d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B! Ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé! Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Un peu d'arrêt.
arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors c'est... c'est à la freux. Et alors après, on ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses. Psst! T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2! Et 2 heures de retenue avec 2 verres sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les ligas! J'y vais avec la table, alors, allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeau. Et pourquoi elle m'en veut? Contange! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gorgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Non. Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse, au secours! C'est l'heure d'aller mettre la gomme dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. J'ai fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Et nous, la maîtresse, elle a raison, t'es que un chauvazou. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez, les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne. Sauf qui peut! Oh! Mais qui peut nous sauver? Oh! Alerte! Ne vous inquiétez pas, madame, Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh,
brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car dans l'index salvateur, j'efface la menace Ethno. Il a réussi! Vous êtes mon héros! Comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances. Et tu sais, Ethno, ils vont certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Mais cette maison est vraiment en train de devenir un toutie. Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza un peu partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà. Et c'est ce genre de choses qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte aux droits de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique majeur. Une bonne bouffée, de bon air pollué. Et mais c'est quoi, oh, ce truc? Oh, ces muscles sont d'une fermeté. Hey! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur Derrick. Non, mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Inter-quoi ? Internet ! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction à cet outil. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours ! Ah ! Ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances rien qu'en surfant sur la toile. On peut accéder à des pizzas, par exemple. Ethno, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. FOF Rover, votre problème de souris est réglé. M'a tout l'air d'un code FIF 3 en formation. Excusez, messieurs les dératiseurs, mais en fait, la souris qui nous préoccupe est là-bas. Psst, on en a localisé une dans le mur. De le mur? Vous appréciez l'efficacité? On a un autre 6-3! Thank you.
FIF 3 multiples. Attaque secteur 4-5. Farf maximum. Verrouillade. Ok. Verrouillade. Ok. Carbonif le trou. Ok. Voilà. Votre problème de fourrie n'est plus qu'un mauvais souvenir. 2533 et en euros. Merci beaucoup. Si elles reviennent, on est là. Où en étions-nous? On essayait de sauver Bud. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Il semble que les internetteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums. Donc quoi? C'est tout simple. Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous. Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire, moi, comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud. C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses. Pizza en ligne. Petite signature. Merci, madame. Oh, l'écran nous dit hello. Oh, Internet m'a l'air très bien élevé. Tout est en état de marche. Paré pour l'opération Sauver Bud. Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos. Cet internet est vicieux, hein. Vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter. J'ai un méchant coup de barre, moi. Pizza247.com, cette margarita banane chocolat. Allez, debout, il faut sauver Bud. Connie, Gorgeous. Gorgeous? Oh, Zebra! Gorgeous est aussi perdu dans l'intersurf. Il faut commander un autre ordinateur. Petite signature. Merci bien, monsieur. Ouah, ils ont tous reçu une bonne éducation. Soyons très prudents, car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac. Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits. Blablaenligne.com. Bien, maintenant il faut contacter Bud et Gorgeous. Oh, tape un peu aspirateur de collection pour voir. Regarde ça. 18 273 réponses. Je veux un ordinateur pour moi de tuer. C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Attends voir. Je tape plan de vaisseau spatial. Incroyable. 58 934 réponses. C'est mon tour. Pas touche. Je n'ai pas terminé. C'est pas juste. C'est à mon tour de l'avoir. Laisse-le voir.
Collie, qu'est-ce qui te prend? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Pas gros je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, bah, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points de bonus que je récupère en la faisant sauter en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose? Voilà, c'est le virus informatique, la solution de notre problème. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en commander un virus? Merci, et à bientôt, et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous, le gros virus? Oui, c'est pour nous, vite! Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité! Ok, c'est parti pour la fondue de puf à la purée de disque dur! 3, 2, 1, feu d'artifice! Zébra, tout a sauté! Ah, il me sent un tantinet ballonné! Je peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur Derrick. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Eh, le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. 50 points. C'est pas le ninja, mais ce point. je t'ai eu. Tu les as pas vu venir, les 200 points. J'arrête, moi, je veux plus jouer avec vous. Slam dunk et 812 points. J'avais dit qu'on arrêtait. Et papa boit. Attends que je t'attrape, espèce de limace fétide. Je crois que je vais racheter un ordinateur. Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Oh, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillot. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. Mais si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Crâne les goûts et les couleurs. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Hein, voulez-vous que les Léo chantent? Non! Je dors.
visiteur, Godferdom. Incroyable! Tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois! Ce qui n'est pas là, savez-vous, le centre de la Terre, non, il faut bien 3 jours de mars pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de fils dans les petits molécules des comme ça. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh! Moi, c'est Eddie! Et c'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habitez, savez-vous, une fois, deux fois, trois fois, une fois, des frites! On peut faire les sports ensemble, ça serait gay, vous savez-vous. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gant? Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter! Proposition de suivre toi, ami! Ah oui, à la route, hein? Des frites! Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Ce sentier d'un pittoresque. Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite. T'as vraiment de la chance, toi. Et mardi, t'aurais pas une laisse. Dites, frère, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface? Sur le plancher des moules, une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous. Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant. Eh oh, mercredi, viens donc voir papa. Fourlez-toi, ça est vendredi, ça n'est pas un mannequin pizza en peluche. La petite tête va faire de l'air en Paris, et ça n'est pas très plaisant, non, d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Dites, frère, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Grande Ferdinand, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouverai un peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous, maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moules. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût, hélas. Retentez votre chance au petit déjeuner. Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pu, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama mêlée de poils de cochon grillé. Tu disais quoi? Que ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés, niveau... Ouais, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un qui, dans 3 minutes, va se taper le phalacoque de sa vie. Hello, moi c'est Gorgeous. Comment ça va, vous? Je remettrai votre œuf en place. Il était sur le point de tomber. Non, pas... Ah, oh, ah, ah, non, pas sur le...
suis d'un cruche au service de l'immigration gendarmerie nationale. Et vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, les plus grandes fameuses magiciennes. Regardez bien, vous voyez cette ouf? Et au couche-pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable! Chargez! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Jeannine? Tu veux me briser le cœur, hein? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est une humaine, ma Jeannine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Jeannine. Bah où t'étais où? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Eh, c'est quoi ça? Oh, Léa, tu plaisantes, ça est le noyau, hein, le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate, c'est très décevant. Mais y a une fuite! C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur, il est fissu, hein, sais-tu? Mais si ça, c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est les dix, sais-tu, c'est mon boulot! Ça fait 40 ans que ça est moi qui pédale, vieux! Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place! Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là! Ouh, mais ne vous en faites pas! Ça est très facile! Ouais, bah tu vas en prendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu parles de cette ridicule boule de poil ou... Ah, c'est moi qui tiens le guidon, allez, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Grande verdum, en route vers la surface des moules et des frites, note l'azote, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, bud? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est Pouta qui est venue. Oh, salut, Jeannine. Vilain, ça me dit, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service! Grand Verdum, il ne faut surtout pas tousser à ça, savez-vous? Ça est très dangereux! Redescendez, allez, redescendez! Et toi, le tripoteur de molécules à ferme, hein? Allez, au secours! Sauf qui sait? Ça est le retour de la grande île! Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein. Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous. Grande Verdum, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé... Que non ! Aujourd'hui, oh, 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 oh,
Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de... de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrai bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. L'état du coffre. Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh! Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement. Hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très, très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noire, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Bud, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça. C'est du matos de peau, pas les jojo, fillette. Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. Four life, c'est Spumta. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve une machine. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Ben merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Cody. Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire Cody!
Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. J'en rêvais, comment avez-vous deviné? Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse, c'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire. Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur! Oh, je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 euros l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes frontières, ça nous fait un total de 1 782 177 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire, je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà! Jusqu'au dernier sou! Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! Non, parfait! Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe, arrache le clou! Non, ne paniquons pas! Détendez-vous, c'est rien du tout! Ouli, ouli, ramazazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, Candy, on t'aime, Candy, à moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être trop... La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on aime Candy, on aime. Clara Boss, je présume. Oh, maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial.
Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? J'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais quand dit c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors? Une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Allez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je le présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et notre jeunesse. C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille fribouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes quatre extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, je fais installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Oh,
Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, bah, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au gras de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Je fais mal, non. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les sputes pour l'émission. Moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. Coucou. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Dada. Oh oh, l'émission est à peine commencée. L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gantius? C'était pas très sympathique, ça je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant. Je voulais juste rappeler. Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nyon. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous allez être chuchoté chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre, un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, la story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur Passe-Sénère sur ce pauvre Candice en défense. Il me harcèle, j'en peux plus, avec toutes ses exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de sang-cœur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye, Candy. Et surtout, restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère.
Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire, peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Ayez plaire! Ayez plaire! Non, mais faut pas exagérer! Déjà, c'était mon parfum préféré! En plus, t'es parti 10 heures! D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel! C'était effectivement choquant! Mais pas franchement étonnant! Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre deux personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu! Et... la vainqueur! C'est bon, allez, on se calme, hein? Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau! Et la voilà! Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un poids de perdant, ça! Tu veux y goûter, peut-être? Oh, mais c'est Gauchousse! Mais c'est toi, mon vieux copain! Bienvenue à bord! Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis crashé et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à travers ce coupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. Oh, d'accord, c'est pas grave, de toute façon, on est tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fais ça. Vous avez une petite place pour nous. Ça dépend, vous êtes des employés de la poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, pétété. Hey! Mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là-dedans, la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là. Reviens, petite mouche, mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh, occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleure, Nichard. Pleure. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où, ton papa, petit bonhomme? Et pourquoi il a l'air tout plat, le petit bonhomme et son papa? Sois gentil, Gorgeous, il va déjà nous dire ton nom, mon gars. Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Yeah, mais t'es pas bien ou quoi? Là, il est malade. Cool, bud, ça m'a juste chatouillé un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je vais te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur Derrick? Eh ben, il est très gentil. Je vais, les enfants.
Nabarachouloulou, arala malakoulou goulou goulou. Oh ya, 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 c'est de bédé. Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va? C'est quoi que tu dis si? Allez, on est des copains tous les deux. Tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? Regarde ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un chinois, c'est Monsieur Li. Oh, je la connais, trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Li a un prénom, et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Li. Guy Li, Guy Li, Guy Li. Ah! Oh non, oh non, oh non, non, non. Oh non, arrête, 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 arrête. Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison à louer sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est d'une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Oh non, mais c'est affreux, mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Ah! Oh, yeah! Il est encore joué. Je me sens pas bien du tout, pas bien du tout. Je sens mes os qui se fossilisent. Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Des caisses? Oh, c'était pour rire, bien sûr. Ah, 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 ah. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent! Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie a Violette volante. Quelles sont vos coordonnées, Violette volante? La Violette est dans le pot. Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, bon coup! Oh, oh non, ces dessins sont dégoûtants. Oh, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gamine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins une heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Oh,
tes jours sont comptés, Tom Cruise. Hey, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars? C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros. Oh, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil, le toutou, gentil, le toutou. Bien, il ne nous reste plus que celle-là. Famille Guita. Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Et pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrète pour lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste. Je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste. C'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine! Je me demande comment elle est arrivée là. Hey, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Et il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est Ethno, cette tarte! Alors, tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain! Mais Bud, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Moi, qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud, il est plutôt chatouilleux. Viens, mon copain, on déménage. Et puis, on peut très bien se passer d'eux de toute façon. Surtout que j'ai amené toute ma collègue de bande dessinée puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention. Ce forcené a piégé toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pieds la souris, c'est trop facile. Oh, ceux-ci sont à l'ail, tous en danse. Sois encore plus prudent, Candy. Candy, la première chose, c'est de poser les pieds à côté des pieds de souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mes hommages, Madame Guitarde. Mais où est-ce que tu cours? Allons, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Marilou, je m'arrête de te faire baguer. Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. Elle serait fière de toi. 3 nouveaux petits copains en papier. Voyons, vous nous verrez tout à quelle heure. Vous êtes des vrais délicats de thank you.
Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Molux. Molux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gay compagnon? Ben, en grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Molux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Molux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Molux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Molux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Molux est bel et bien réel. Je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Mais j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Molux, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Molux. Les gars, je vous présente Molux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est quand t'as eu. Ce que veut dire, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existe pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Molux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Vilain Molux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas tout, mais il serait temps que je rentre chez moi au fond de la forêt profonde. D'accord, alors à va, Molly. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir, de toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome.
mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Dis donc, t'as pété ou quoi? Mon Luke Fight a appelé! Mon Luke Fight est arrivé! Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu follement ce matin que vous aviez fouflé dans la flûte magique! Génial! J'ai deux Mon Luke, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux! Moi, c'est Gorgeous! En fait, je suis un mollusque pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux! Tu es un gros putois manipulateur et en plus, tu pues! Non, mais non, c'est lui qui dégage! C'est l'horreur, c'est une véritable affection! Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir! C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc! Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain! Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute! Je suis arrivé comme ça à la naissance! Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux! L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété! Les gars, j'ai une super idée! Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain non, que... Non, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zibra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur! Je ne t'avais même pas senti arriver! Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourri au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qu'il perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sou neuf. Bon, alors ben je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein. On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus pu du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. The fin bon. Mais t'es quand même un poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Molux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en vaut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument, nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste deux gouttes, bud, hein? C'est du super concentré. Thank you.
Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Cordy. Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Cordy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Les poils, ils continuent à méga pousser super vite. Mais on a une méchante meule d'énergie pour la fuser. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Tant de questions qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux, Fifi est fier de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie.